Je suis tellement heureux que le printemps soit enfin arrivé avec le soleil et la chaleur. J'en avais marre d'avoir froid. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans notre nouvelle vidéo des énergies de début de semaine. Oui, je parle toujours du nez comme vous pouvez l'entendre et vous ne m'avez pas vu du week-end, ce qui est normal parce que je pensais être plus fort que le rhume, mais c'est le rhume qui a été plus fort que moi. J'avais prévu de vous faire la review du petit livre oracle que j'ai reçu et tout, mais alors, franchement, j'en pouvais plus. Il a été costaud le rhume, hein. Bon là ça commence à aller un petit peu mieux, mais punaise, m'a séché. Bon allez, j'espère que vous allez tous bien les amis, que vous êtes en forme, que vous avez passé, enfin que vous passez d'ailleurs, parce que le week-end n'est pas encore fini au moment où vous regarderez la vidéo, sauf si vous la regardez en début de semaine, que vous passez un bon week-end et que vous n'êtes pas trop perturbés sous la neige, parce que alors franchement je m'attendais quand même pas à ça. Moi, quand ils ont annoncé de la neige, je me suis attendu à 2-3 flocons, une petite neige de printemps, hein, un petit truc sans gravité. Je m'attendais pas à ce qu'il tombe quand même 80 cm, quoi. Bon, j'exagère, il n'y a pas eu 80 cm. Enfin, ça dépend par endroit quand même. Mais ouais, Ostara, se fait violent quand même, hein. Moi qui avais déjà enterré la peau de l'ours, enfin qui avait déjà enterré l'ours tout court, je me disais, cool, ça y est, Ostara est de retour, le soleil. Eh ben, rien du tout, rien, rien. Bon, allez, pour nos énergies, j'ai prévu un petit peu de tout. On va se faire un petit livre oracle, on va se faire nos baguettes chinoises, ça fait un moment qu'on n'a pas fait nos baguettes chinoises, on va se tirer un petit chakra, on va se prendre un message des anges, on va se faire un petit béline, enfin voilà, on va se mettre bien. Bon, avant de commencer, rapidement quelques annonces, comme d'habitude, je vous rappelle le rituel participatif, hein, ça y est, là il reste moins de 15 jours, donc ne tardez pas trop, j'espère qu'il fera beau. Je vous jure les amis, si je fais le rituel sous la neige, je pense que je vais pleurer tout le long de la vidéo. Bah non, c'est comme ça. Mais voilà, bon, comme d'habitude, hein, pour le rituel, vous le savez maintenant. La petite participation de 5 euros sur mon PayPal entre proches et pas entre professionnels, sinon PayPal prend des frais, blablabla. Vous trouvez le lien de mon PayPal en bas dans la barre d'infos ou sinon vous utilisez mon adresse mail. Je les connais même plus. Oeilsdanslenoir@gmail.com, tout en minuscule, tout attaché. Voilà, vous mettez bien votre nom, votre prénom et surtout le souhait, ce que vous désirez le plus qui se réalise sur l'année 2022. Hein. On essaie d'être objectif, vous ne mettez pas les élections présidentielles et tout ça. Quoique ça pourrait être intéressant comme souhait, effectivement. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme annonce à vous faire? Oui, on va essayer d'être un petit peu un petit peu plus. Non, mais non. Non. On va la refaire. On va essayer d'être un petit peu plus productif sur le mois d'avril, parce que le mois de mars, je réalise que j'ai pas beaucoup bossé, mais en même temps, j'en avais un peu besoin, parce que je vous cache pas que, je sais pas, j'ai eu une sorte de fatigue, là, sur le mois de mars, je sais pas, ça arrive, c'est comme ça, mais ouais, une fatigue, donc on va essayer d'être un petit peu plus productif, et je vais vous faire également, j'ai prévu plein de vidéos, enfin, vous me connaissez, hein, je prévois toujours plein de trucs, et puis je réalise que 30% de ce que je dis... Il faut que je change ça. Donc, je vous ai prévu, comme vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez les vidéos sur les catégories de fantômes, comment réaliser une séance, etc., etc. Je vous ai prévu ça. J'aimerais bien aussi terminer la série sur le tarot, hein, que j'ai débutée au mois de décembre. Ça serait pas mal là aussi de la terminer. Je dis ça, je dis rien quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je vous ferai la review du petit livre oracle. J'en termine pour l'intro, ça sert à rien de faire une intro trop longue et on y va donc tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le béline de mon JP, on va se faire un petit message des anges de ma belle Dorine, on va se faire un petit chakra avec les 7 chemins de l'âme de Gabriel Sanchez et Sylvie Lavoie. Pourquoi je prends cet accent idiot, on ne le saura jamais. On se fera nos petites baguettes chinoises.
base, comme je vous l'ai dit, et puis un petit conseil avec le livre Oracle, et c'est parti tout de suite. Allez, tiens, on a une carte qui vient de rester collée au bureau. Retard, c'est la carte du retard. Donc peut-être que pour ce début de semaine, vous n'aurez pas ce que vous attendiez, ou vous allez peut-être rencontrer un petit retard, un petit contretemps, quelque chose qui n'est pas forcément très grave. Non, j'aurais bien voulu commencer par un message des anges, mais vous savez quoi, si j'ai eu l'instinct de commencer par le Béline, je vais suivre mon instinct. Je vous le dis souvent, de suivre d'abord son instinct, donc on va d'abord se faire le Béline, et puis peut-être que le message des anges collera avec notre petit Béline. Bon, alors, notre Béline qui va venir définir nos énergies de ce début de semaine, donc c'est du camp au camp. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, du 3, du 4 avril, à quelque chose comme 6, 7... Allez, c'est parti, on va s'en prendre plusieurs. Alors, pour la première, on a la famille, on nous parle de famille. Donc peut-être que pour ce début de semaine, il va y avoir des choses liées à la famille. Alors, comme on a eu la carte du retard qui était collée, est-ce qu'on nous parlerait d'un retard lié à la famille, peut-être un projet ou quelque chose, ou peut-être que un membre de votre famille doit venir et il va vous annoncer qu'il aura du retard ou qu'il va reporter sa visite. Ça peut s'expliquer avec la neige, les intempéries, tout ça. Donc est-ce que ça peut nous parler d'un repas? J'en peux plus, ma langue elle veut pas travailler, elle y arrive pas, elle est pas opérationnelle aujourd'hui. Ça peut donc nous parler d'un retard par rapport à la famille, ça peut nous parler d'un projet qui va être retardé. Enfin, je vous parle du retard, mais c'est pas forcément le retard, on va regarder d'autres. On a l'appui. Bien, donc pour ce début de semaine, vous allez obtenir l'appui et le soutien de votre famille, peut-être pour vous lancer dans un projet, peut-être que vous avez une envie particulière, un projet particulier, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être plein de choses, hein, sincèrement plein de choses. Je sais pas, vous décidez d'arrêter de fumer, de commencer un régime, de commencer le sport, un nouveau travail, déménager, vous séparer, ou vous mettre en couple, enfin que sais-je, hein, il peut y avoir des milliers de possibilités. Mais ici, vous aurez l'appui et le soutien de votre famille. Alors famille ne veut pas forcément dire famille de sang, d'accord, hein. La famille, c'est pas que le sang, c'est le cœur, c'est plein de choses. Donc ça peut être le soutien de vos amis, de famille de cœur, peu importe. Mais ici on nous parle de soutien. Alors pourquoi on nous parle de soutien? On va essayer de voir ça avec d'autres. Tiens, celle-ci, alors, bizarre, attendez. Celle-ci, elles veulent pas se séparer. Pourquoi? Ah, on a la clé de la destinée et le cloître. Ah, je comprends mieux pourquoi ces deux cartes étaient liées l'une à l'autre. Regardez, la clé avec le cloître. Tout de suite, en voyant ces deux cartes, ça m'a fait penser à la libération de quelque chose. Vous allez enfin sortir de quelque chose. Soit vous allez sortir d'une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être enfermé, d'étouffer, mais c'est la fin ici, la clé, je sais pas vraiment, je l'ai vu au sens propre du terme, c'est-à-dire mettre la clé dans la serrure, pousser cette grille du cloître et sortir à l'extérieur, retrouver une forme de liberté. Donc pour moi, ça pourrait être ça aussi l'appui. Peut-être que c'est votre famille qui va vous apporter la solution ou la clé pour pouvoir vous libérer d'une situation... comment on pourrait dire, d'une situation anxiogène, quelque chose qui où vous sentez emprisonné. Ouais, peut-être que... Alors, soit c'est votre famille qui va vous apporter la solution, soit c'est votre famille la solution. Peut-être. Ça peut être aussi votre famille qui vous encourage fortement à vous sortir de ça. Peut-être que vos proches vont vous faire part d'une inquiétude qu'ils ont pour vous en vous disant que voilà, depuis quelque temps ils ont l'impression que vous éteignez, que vous perdez une forme de joie de vivre, que vous avez l'impression d'être comme enfermé, comme confiné. Alors ça peut être par exemple dans une relation un peu toxique, quelqu'un qui vous accapare que pour lui. Ça peut être un travail qui est très chronophage. Ça peut être vous qui vous donnez à fond dans quelque chose et qui délaissez un petit peu votre vie personnelle de l'autre côté. Mais ici, il y a vraiment pour moi cette idée de mettre en exergue quelque chose pour vous faire comprendre que vous vivez à l'heure actuelle une sorte d'emprisonnement, d'enfermement et qu'il vous faut vous en libérer. Et il est très probable que vous ayez déjà la solution, que vous ayez déjà l'outil, hein, que vous ayez déjà la clé en votre possession et qu'il ne s'agit
s'agit que de votre volonté, tout simplement. Hein. Ce n'est pas un problème physique, c'est simplement une volonté. Il faut que vous en ayez l'envie de vous sortir de ce cloître. Parce que c'est vrai qu'un cloître, on pourrait y mettre plein de symboliques. Un cloître, il y a cet aspect un petit peu rassurant, puisque le cloître, on pense tout de suite aux sœurs, aux moines. Donc il y a cet environnement à la fois fermé, coupé du monde, qui permet de pouvoir nous réfugier, de vivre dans une forme de solitude, de recueil, de paix. Mais est-ce que cette paix est vraiment réelle ou est-ce qu'elle est un petit peu illusoire? Puisque quelque part, lorsqu'on se confine quelque part par volonté, est-ce que ça cacherait pas derrière une volonté aussi de fuir une forme de réalité, hein, un monde, une société qui ne nous plaît pas forcément, et par conséquent on aura tendance à fuir dans notre monde et se réfugier dans notre monde? Peut-être, peut-être. Alors, on va pas se lancer dans une psychanalyse, d'accord, hein, je ne suis pas Freud. Mais ici, ouais, ça me parle vraiment. Tiens, pensez amitié. Bah, ça colle bien avec ce que je vous disais, moi qui vous parlais d'amis, le soutien d'amis, et ça colle complètement dans le sens où pour moi, ce début de semaine va être marqué par quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous vivez à l'heure actuelle dans une situation un petit peu cloîtrée. Et soit c'est votre famille qui va vous mettre en exergue ceci, ou qui va vous aider à vous en sortir. Peut-être qu'aussi ça peut marquer la fin d'une addiction. Pourquoi pas, hein? Peut-être que certains d'entre vous ont une addiction à n'importe quoi, le jeu... l'alcool, j'en sais rien quoi, et que vous commencez peut-être à prendre un chemin un peu dangereux, et par conséquent, vont vous aider. Ça peut être aussi vous qui êtes la clé de quelqu'un qui vit cette situation, d'accord? Hein, je vous parle là pour vous, mais c'est vrai que ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vous qui avez le rôle de la famille, c'est vous qui allez être l'appui ainsi que l'amitié sincère pour aider quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui est enfermé, et peut-être que c'est vous qui allez lui apporter la solution, peut-être que c'est vous qui êtes la clé de son aide, de son sauvetage, si je puis dire. On va prendre un message des anges. Ok, donc on a une carte qui vient de s'envoler, donc on ne va pas mélanger plus. Alors, la carte qui vient de s'envoler nous dit « Encore quelques efforts, n'abandonnez pas ». Et c'est quand même très drôle parce que dessus, on a une clé. Et je trouve que « Encore quelques efforts, n'abandonnez pas », ça colle super bien avec ça, quoi. C'est du coup... J'ai presque envie d'interpréter la carte qu'on a eue là, du retard, qui pouvait nous dire, le retard du coup ça pouvait symboliser l'aspect d'effort, le fait de ne pas abandonner. C'est pas parce que vous allez avoir une petite tuile que ça y est, il faut se dire, oh, c'est bon, c'est fini, c'est... Je vais vous reprendre l'exemple du régime parce que je sais que vous l'adorez cet exemple. Mais imaginons que vous commenciez un régime et puis, je sais pas, ce week-end, vous avez fait de l'excès, voilà. Vous avez mangé un gros œuf en chocolat, vous êtes fait une raclette... Et puis ça y est, on arrive là et vous dites « Oh mince, je suis dégoûté, j'avais réussi à bien commencer mon régime, je viens de faire n'importe quoi ». Non mais c'est pas grave, c'est pas parce que vous avez légèrement dévié, que vous êtes fait un petit extra, que vous êtes fait plaisir, que d'une part il faut culpabiliser, ne culpabilisez jamais, d'accord, hein? C'est pas parce que vous allez le faire une fois de temps en temps, c'est que, non, hein, c'est là où ça devient grave, c'est quand c'est très récurrent, très quotidien, là oui. Mais si c'est juste un extra, il ne faut pas culpabiliser. Et c'est pas parce que vous allez avoir un truc qui va un petit peu vous dévier de votre chemin, que ça y est, c'est la fin du monde, faut tout abandonner. Non, c'est pas grave, hein, c'est pour le coup, la carte avec cette roue du char qui était bloquée dans la faille, ça nous fait penser un peu à un voyage où c'est pas parce que vous allez avoir un pneu qui va crever qu'il faut interpréter ça comme un signe en se disant non, ça c'est un signe, il faut pas que j'aille là-bas. Non, c'est la vie aussi, ça peut arriver de crever en chemin, bah c'est pas grave, on change la roue, on s'arrête, on change la roue et puis on repart, hein, tout simplement. Bah là, pour moi, ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire que ne renoncez pas si il vous arrive une petite tuile, c'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas parce qu'il y aura un petit contretemps, un petit imprévu qu'il faut abandonner. Au contraire, persévérez et continuez vos efforts, n'abandonnez pas, hein. Et pour moi aussi, c'est un message fort qui nous dit... N'abandonnez pas, il reste encore quelques petits efforts, n'abandonnez pas. C'est comme si vous arriviez là, presque au sommet de la montagne. Ça serait bête d'arrêter votre chemin et de redescendre alors que vous y êtes bientôt au sommet. Donc continuez à avancer, même si c'est pénible, même si vous n'avez plus d'énergie, même si vous n'avez plus la foi, même si vous savez plus rien. Continuez à avancer, vous n'êtes pas loin du sommet, d'accord? Donc ne vous arrêtez pas en bon chemin. Allez, on va prendre un petit chakra, comme ça on saura ce qu'il faut travailler pour se début de semaine, et puis le chakra peut être intéressant pour éventuellement nous donner un indice sur ce qu'on vient de tirer, à quoi ça pourrait correspondre.
Allez, un petit chakra, un petit chakra. Non. Le violet, je sais pas pourquoi, je pensais au violet. On a le chakra couronne qui nous dit « Chaque jour, je mûris. Je rends grâce à la vie de me donner les leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. » C'est drôle parce qu'on nous parle encore de cette finalité qui arrive bientôt. Il reste encore un petit quelque chose à faire. Hein. Les signes de carence sont la fermeture et le manque de maturité. Donc si vous êtes... Si vous êtes comme confiné, comme cloîtré, comme une huître que vous renfermez sur vous-même, ça peut être un problème lié à ce chakra-là. Et les signes d'excès sont le déni et la peur de vieillir. Alors bah oui, là aussi ça paraît logique puisque on nous dit que chaque jour je mûris. Et effectivement, si vous avez peur de trop avancer ou de perdre du temps, c'est que justement vous ne profitez pas assez de cette maturation. Prenez tout simplement, je sais pas moi, un plant de fraise. Une fraise, elle se pose pas la question de savoir si elle va déjà pourrir. Non, elle en est au stade où elle grandit d'abord, où elle se développe. Donc elle va prendre le temps de se nourrir de la terre, de boire son eau, de s'imprégner du soleil, de prendre tous les nutriments dont elle a besoin pour arriver à sa maturité exceptionnelle. Voilà. Mais elle pense pas tout de suite au fait qu'elle va pourrir, machin. Non. Bah vous, c'est le même principe. C'est-à-dire, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de les comprendre, de les accepter, de les savourer, hein, et ne soyez ni dans le déni, ni dans la peur de quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite. Hein, même si, je sais pas, moi, vous avez 50, 60 ans, c'est normal d'avoir peur de vieillir, on est un petit peu tous pareils. Moi, je prends dans mon cas, autant j'ai pas spécialement peur de la mort, j'ai juste peur de souffrir avant de partir, moi, c'est tout ce dont j'ai peur. Mais c'est vrai que la vieillerie me fait un petit peu peur, hein, quand je vois les cheveux qui se barrent, les dents qui tombent, tout ça. Je me dis dans quel état je vais être. Donc c'est normal, mais en même temps il faut aussi savourer cet instant présent, ce moment qu'on vit là, et pas anticiper des choses qui ne sont pas encore là, d'accord? Voilà, bon, je vous montre la petite carte du chakra, n'hésitez pas à mettre pause et tout lire. Qu'est-ce qu'on fait? On va se prendre le livre oracle d'abord et on se gardera la petite baguette chinoise à la fin. Allez, on pense à rien ou à quelque chose, c'est comme vous voulez, et on se laisse porter par le petit message du livre. Où est-ce que... Tiens, je vais me mettre par ici. Là, ça me plaît bien, là. Affirmez vos valeurs et vos priorités. Un bien joli message. Un bien joli message, effectivement, affirmez vos valeurs et vos priorités, et je trouve que ça colle tellement bien avec ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire le fait d'affirmer ses valeurs, c'est le fait de se sortir de certaines choses, de ne plus être influencé et influençable par un environnement, par une situation, par une personne, etc. Le fait de s'affirmer, c'est aussi la clé vers l'élévation, vers la confiance en soi, etc., etc., donc ça colle complètement. Et vos priorités, je viens de vous le dire, avec par exemple le message des anges qui nous disait encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Votre priorité, c'est d'atteindre le sommet. Peu importe si vous le finissez en rampant au bout de votre vie, on s'en fout, mais c'est votre priorité. Donc surtout, ne vous laissez pas influencer par ce qui pourrait arriver autour de vous. Hein, si on nous parle de petits retards, de petites tuilasses, de petits contretemps, c'est pas grave, continuez à viser votre but. Hein, si vous n'y arrivez pas avant la fin avril, avant la fin mai, c'est pas grave, mais fixez-vous quand même ce but, cet objectif, d'accord? C'est important, donc affirmez-le et gardez-le en tête. Allez, maintenant on termine avec notre petite baguette chinoise. Alors, c'est la numéro 25. La 25 nous dit... Il y a un de ces chantiers sur mon bureau, je vous jure. Mon bureau est à l'image de ma vie. C'est un chantier. Alors, la numéro 25. Même si vous paraissez souffrir d'une grande perte en ce moment, une amélioration va se produire, bien qu'elle risque de n'être que partielle et insatisfaisante. Les choses vont s'arranger, mais pas tout de suite. Vos perspectives d'avenir sont meilleures sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Aussi serait-il souhaitable de prendre sur votre temps de travail pour vous occuper de votre vie privée. Peut-être avez-vous négligé l'aspect spirituel de votre personnalité. Eh ben, je trouve encore une fois que ça colle super bien et ça résume parfaitement bien le tirage. Franchement, il n'y a même pas besoin d'épiloguer davantage parce que tout est parfaitement résumé, je trouve.
Voilà mes chers amis pour nos énergies de ce début de semaine. Allez, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je parle de la vidéo hein, parce que si les énergies vous ont pas plu, c'est comme ça, faudra s'en contenter. Prenez bien soin de vous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Je vous embrasse fort avec tout plein de microbes tout partout. Bah oui, parce que je vous aime, donc on partage. Hein. Allez, prenez bien soin de vous et passez un bon début de semaine.